patrouille au complet et parée à l'action, chef. Il y a un mystère. Le turbotrain express n'a pas marqué l'arrêt en gare. On doit le rattraper et trouver pourquoi il ne s'est pas arrêté. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Parfait. La patte patrouille part en mission. Le voilà. Prête, Stella. Prête, Ryder. Rocky, utilise ton scanner à rayon X pour voir à travers la locomotive. Tout de suite, Ryder. Je ne vois pas le conducteur à bord du train. Pas étonnant que le train soit hors de contrôle. Il n'y a personne qui le conduit. Ryder! Je commence la recherche aérienne des passagers disparus. Tu vois quelque chose, Stella? Il y a quelque chose devant. J'ai trouvé les passagers. Ils sont abrités dans la cabane. Les géants de poussière ont semé plein de rochers qui empêchent d'accéder à la cabane. Ce sont des tourbillons, comme de mini-tempêtes de poussière. Wow! Ces tourbillons sont très puissants. Ruben, dès qu'on arrivera, tu partiras avec ta pelleteuse pour déplacer les rochers. Comme ça, on pourra mettre les passagers en sécurité à bord du pad patrouilleur. Je vais me préparer! Oh, oh. Oh non! Le turbotrain express est prêt pour son prochain voyage. Je te remercie, Rocky. Merci, Ryder, et à vous tous d'avoir sauvé le train. Y a pas de quoi. Surtout, n'oubliez pas, si vous êtes pris dans un tourbillon, il suffit de nous appeler. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être tous là. On doit aller sauver un bébé stégosaure coincé dans un trou. Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Tu vas te servir des pinces de ta dino mobile pour déplacer un des deux troncs. J'ai aussi besoin de Rex. Tu vas utiliser ta dino pince pour déplacer l'autre tronc d'arbre. En route pour un dino sauvetage. Et aussi de Stella. Quand la voie sera libre, tu sortiras le dinosaure du trou et tu l'évacueras avec ton dino jet. Prête pour un petit tour dans les airs. Parfait. La patte patrouille part en mission. On va bientôt arriver près du stégosaure pris au piège. Vous allez voir, on y est presque. Je suis super soulagée que vous soyez là. Ce stégosaure en détresse est sérieusement coincé. Ça veut dire tiens bon, mon grand, on va te sortir de là. Au travail, Rocky, Rex, déplacez les arbres. Compris. Dino pince. Un, deux, trois, tirez. Coopération, les amis. À toi de jouer, Stella. Sors le dinosaure du trou et évacue-le. Harnais. Ça va aller, tu verras. Il suffit de te placer dans le harnais. C'est bien. Voilà, il est dedans. Bon travail, Rex. Stella, remonte-le. Allez, c'est parti. Il ne me reste plus qu'à trouver un endroit pour le poser maintenant. Regardez, le bébé a retrouvé sa maman. Madame Goodway? Ryder, la situation est catastrophique. Quelqu'un a dérobé la clé de la ville. Madame le maire, je vous informe qu'un vol de tarte a eu lieu. Il y a eu un cambriolage à la plage. Idem au musée. Ryder, il faut retrouver les voleurs. Madame Goodway, les autres témoins et vous-même pourriez décrire leur véhicule? Ils étaient exactement comme vos véhicules. Nous allons percer ce mystère. Aucune clé n'est trop perdue, car mes amis, ils assurent. Notre mission est d'identifier et de neutraliser le suspect. Ils ont dû prendre la clé de la ville pour ouvrir et se servir de nos véhicules pour tout voler. Donc le voleur de la clé doit forcément communiquer avec ceux qui conduisent nos véhicules. Nous pouvons peut-être les écouter. Oui, appel à tous les pirates mobiles. Rejoignez-moi à mon repère secret en dehors de la ville. C'est Sid Laratis. Suis-moi, il est encore temps de s'enfuir. Tu risques de nous ralentir, désolé.
J'ai toujours la clé. La prochaine fois, j'arriverai enfin à piller tous les trésors de la Grande Vallée. Zuma, arrête-les. Mais on a toujours la clé. Oh, où est passée la clé? La Grande Vallée vous remercie tous infiniment. Il n'y a pas de quoi. Et n'oubliez pas, si un pirate essaie de vous cambrioler, il suffit de nous appeler. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Les chiens sauvages ont coincé le bus de Madame Goodway en haut de la spirale rocheuse. Ce qui veut dire que Madame le maire et les touristes sont bloqués dans le désert. Alors pour cette mission, je vais désigner Chascadeur. Fantastique, je suis prêt à démarrer sur les chapeaux de roue. Et Ruben. Ruben met toujours la gomme même en moto. Parfait, la patte patrouille part en mission. Oh Ryder, je suis vraiment soulagée de te voir. On est là pour vous aider. Ruben, commence à dégager le chemin. Je m'y mets tout de suite. Miaou, propulseur super vitesse. Corde raide, j'ai toujours voulu marcher comme un funambule. Oui. J'ai pas besoin que des gentils chiens viennent à mon secours. Et surtout pas un chat. T'es mieux, ce serait moins dangereux de... Les chiens sauvages n'ont pas peur du danger. Chascadeur, on doit reprendre le contrôle de ce bus. Ruben est en train d'essayer de dégager les rochers qui forment un mur tout en bas. Rétraction des griffes pinces. Adieu, ma jolie moto. Tiens-toi prêt. Vite, Ruben. Je viens d'avoir une idée. Un tremplin. Ruben a fabriqué un tremplin. Merci à vous, Ryder, Chascadeur et la motopatrouille. Vous nous avez sauvés. Si votre bus est volé par une bande de motards, il suffit de nous appeler. Super patrouille au complet et prête pour une super mission, chef. Merci d'être venu aussi vite, les amis. Apparemment, il y a un nouveau méchant en ville. Nous ne savons pas de qui il s'agit, mais une chose est sûre, il possède des super pouvoirs. Eh ben dis donc, la personne qui a fait ça est super rapide. Et super forte. Donc pour cette mission, j'ai besoin de... Super Ruben. À l'aide de ta force exceptionnelle, tu vas redresser les rails de Super Rocky. Tu vas te servir de tes super outils pour remettre le plus vite possible les rails en place. Parfait. La super patrouille part en mission. Vous avez vu ce que ce super méchant a fait aux rails? Pas de soucis, je vais les remettre droit. JT pour Info sur le vif, c'est exclusif, en direct de la gare de la Grande Vallée. Oh, oh non, le train est encore moins loin que prévu. Rocky, assemble ses rails aussi vite que possible. Ruben, allons avertir le conducteur du train. Compris. La voie est coupée! Bon sang, pas sûr que je puisse l'arrêter à temps. Je vais m'occuper du reste. Oh. Oh. Les rails sont réparés. Tu peux lâcher, Ruben. Merci, la super patrouille. Vous avez pu tout voir aux premières loges. La super patrouille a sauvé le train. Retrouve. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Super, merci les amis. Al, Yumi et plusieurs visiteurs sont à bord d'un bus touristique. Mais le volant s'est cassé et le conducteur a perdu le contrôle. Mince alors. Oh non.
Pour cette mission, j'ai donc besoin de Rocky. En utilisant tes outils, tu répareras le volant du bus. Et de toi, Stella. Tu soulèveras Rocky dans les airs à l'aide de ton harnais et tu le feras passer par le toit du bus. Prête pour un petit tour dans les airs. Regardez, voilà la patte patrouille. Tu es prêt, Rocky? Je suis prêt. À toi de jouer, Stella. C'est parti. Merci, Stella. Ryder, je suis dans le bus. Bon, ça ne m'a pas l'air bien difficile. J'ai juste à le remettre en place et à le visser. Non ! Mauvaise nouvelle, Ryder. Le volant est tombé dans l'eau et je ne vois aucun système de freinage. Le bus se dirige vers la rivière. Ryder, le pont vient de se lever et je ne peux pas m'arrêter. Chien robot, rejoins-nous au plus vite à bord du patrouilleur. Le patrouilleur va servir de barrière? Non, il va porter le bus sur son dos. Grâce à vous, nous sommes descendus de ce bus complètement fou. Alors merci, la patrouille. N'oubliez pas, si votre visite tourne à la catastrophe, il suffit de nous appeler. Pat patrouille au complet, prête à l'action, chef. Un chien policier. Comme vous le savez, les petits chats du roi devaient venir à la Grande Vallée. Bah oui, mais pourquoi ils viennent plus? Ils ont disparu. Ce qui veut dire que nous allons participer activement à ces recherches. Chase, en charge de l'ordre public, c'est toi qui prendras en main les opérations. Compris, chef. Chase est sur le coup pour ce super sauvetage. Je vous demande d'accueillir chaleureusement les nouveaux membres des chatons qui sèment la pagaille. Mais pourquoi ne va-t-on pas plus vite? Allez, on se réveille. Vous ferez la sieste après. Et vous deux, là, au travail. Veuillez arrêter la machine, monsieur Ellinger. Poussez-vous, je n'ai pas besoin de vous. Il refuse d'obtempérer. Je crois que j'ai une idée. Rocky, Stella, j'aimerais que vous atteigniez au plus vite le bas de la prochaine pente. Stella, tu lanceras le tapis à clous depuis ton hélico. Rocky, tu le mettras en travers de la route. C'est parti. Où sont nos invités? Elisabeth, Henri! Bienvenue à la Grande Vallée. Merci encore, la patte patrouille. Tout le plaisir est pour nous. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la patte patrouille sur Nickelodeon Junior.